Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voici mes 7 événements paris sportifs cumulés pour les matchs du championnat Premier League que je vais partager avec vous. Alors, regardez la vidéo afin de sélectionner vos choix de paris sportifs. Mais tout d'abord, ça veuillez cliquer sur le bouton s'abonner qui est à côté et activer la cloche de la notification pour ne plus manquer aucun de mes prochains pronostics. Avec cette chaîne YouTube intitulée Paris Sportif, je partage avec le public les meilleurs sujets de pronostics, les analyses sur les paris sportifs pour que nous puissions gagner ensemble nos coupons au cours de cette saison footballistique. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo et venir partager cette vidéo dans différents groupes de pronostic. Ok, on commence. Le premier match oppose l'équipe de Manchester City et Liverpool. J'ai seulement choisi les matchs qui vont se jouer uniquement le samedi 25 novembre 2023. Le premier match oppose l'équipe de Manchester City et Liverpool. Dans ce match, j'ai choisi l'option de plus 1,5 buts. On va faire beaucoup attention parce qu'il s'agit d'une rencontre qui oppose le premier et le deuxième, City qui est premier et Liverpool qui est le deuxième du championnat Premier League. Alors on va faire beaucoup attention, j'ai choisi l'option de plus 1,5 buts et qui montre qu'il aura au minimum 2 buts sur le terrain, la cote est 1,12. La prochaine rencontre oppose l'équipe de Newcastle United et Chelsea. Chelsea qu'on connaissait, Chelsea se retrouve mieux ces derniers temps. Dans cette rencontre, j'ai choisi l'option de plus 2,5 buts et qui montre qu'il aura 3 buts sur le terrain, la cote elle est 1,832. La prochaine rencontre oppose l'équipe de Nottingham Forest et Brighton. Dans ce match, j'ai coché oui, ce qui montre que les deux équipes vont marquer. J'ai coché oui, but partout, la cote elle est 1,61. Le prochain match qui oppose l'équipe de Burnley et West Ham United. Dans ce match, West Ham United est largement favori pour battre l'équipe de Burnley qui est à domicile. J'ai choisi victoire directe pour l'équipe de West Ham United qui est à l'extérieur, soit V2. La cote est 1,955. La prochaine rencontre oppose l'équipe de Luton Town et Crystal Palace. Dans ce match, j'ai choisi comme option sécurisée plus 1,5 buts et qu'il montre qu'il aura au moins 2 buts sur le terrain. La prochaine rencontre qui oppose l'équipe de Sheffield United et Bournemouth, dans ce match, j'ai encore choisi l'option de plus 1,5 buts, ce qui montre qu'il aura 2 buts sur le terrain. La cote, elle est 1,24. Le dernier match qui oppose l'équipe de Brentford et Arsenal, Arsenal à l'extérieur est largement favori pour battre l'équipe de Brentford. Victoire directe pour l'équipe de Arsenal est le pronostic sûr pour remporter cette victoire. La cote, elle est 1,752. Donc voici en quelque sorte mes 7 événements paris sportifs cumulés pour les matchs du championnat Premier League au cours de cette 13e journée. Seulement pour les matchs qui vont se jouer uniquement le samedi 25 novembre 2023. Alors, abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube intitulée Paris Sportifs pour ne pas rater les analyses sur les paris sportifs. Ok, l'ensemble de mes événements paris sportifs donne une cote de 18,702. J'ai misé 10 000 et dès que mon coupon va passer, je vais gagner comme gain potentiel 187 026 francs. Donc, abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les pronostics au cours de cette saison footballistique. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur le bookmaker Melbet, alors inscrivez-vous avec le code promo CAMI écrit tout en majuscule afin de gagner les 200% de bonus sur votre premier dépôt et les 100% de bonus sur vos dépôts tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Vous voyez, c'est dans le bookmaker Melbet que moi je fais ce pari sportif. Vous voyez mon capital, je suis à 1 169 840 francs. Donc inscrivez-vous dès maintenant sur le bookmaker Melbet avec le code promo CAMI pour ne pas rater cette occasion. Abonnez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Gagnons ensemble.